Nous tenons à remercier toutes les communautés qui ont voulu partager notre deuil aujourd'hui, de toute confession, toutes les confessions religieuses qui nous ont aidés à avoir ce carré qui n'existait pas à Étampes, les élus et le maire qui a fait beaucoup et qui a œuvré beaucoup pour nous réaliser ce petit coin de paradis pour notre fille Anissa, le consul d'Algérie, et tous les gens qui sont venus nous voir pour nous accompagner dans ce dernier moment et accompagner Anissa dans sa belle demeure.